Bonjour à tous, ici Kiefer et Koukov pour un nouveau replay commenté de World of Tanks avec enfin un micro qui devrait marcher, bordel, parce que sur la dernière partie c'était pas terrible. Donc nous allons suivre l'autre char léger de tier 8 du jeu qui est le WZ-132. Mon petit Kiefer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce char? Alors c'est un char chinois léger de tier 8. Je dirais c'est une grand classique des Chinois, c'est-à-dire un char assez mobile, assez véloce, mais par contre en mousse, en tout cas pour la branche des light. Donc il a une bonne mobilité, une bonne accélération, même une très bonne mobilité et très bonne accélération. Il a une très bonne valeur de camouflage aussi, une bonne rotation de caisse et de tourelle, ce qui lui permet de circle les ennemis et de jamais non plus être circle, c'est-à-dire jamais se faire tourner autour. Après au niveau des désavantages, je dirais la dépression du canon qui n'est pas exceptionnelle, la fragilité parce qu'il a vraiment un blindage qui est pas... qui est juste là pour la décoration, avec de temps en temps des boons un peu chanceux sur la tourelle, mais ce sera à peu près tout. Et sinon, il est aussi généralement en difficulté s'il rencontre des scouts à barillet, notamment les scouts français. Ah ouais. Donc là on voit il a utilisé la technique très classique pour les scouts sur cette map quand on a la chance de commencer côté gauche, c'est-à-dire d'aller se planquer dans ce petit buisson qui permet de repérer en général à peu près les deux tiers de l'équipe adverse et de permettre à ses collègues de faire un joli carton sur l'équipe adverse sans prendre de risques. Ouais, véritable tir au pigeon. C'est ça, ça permet de faire énormément de points, de spots et surtout de donner un bon avantage à son équipe en début de partie pour peu de risques. Alors on peut voir qu'il a les binos, le filet de camouflage, donc l'équipement rêvé pour les scouts passifs. Il n'emporte pas de munitions premium, il a juste les munitions normales et des explosives. Ouais, bah je pense que la pénétration de base du canon doit être déjà suffisante. Ouais, je crois que ça doit être du 189 de base, donc ça va. De toute façon, il n'est pas censé attaquer les ennemis de face, donc oui. Ça suffit pour les flancs et l'arrière. C'est ça. Donc là, comme je disais, il a fait la technique classique sur cette map de ce côté-là. Quand on commence de l'autre côté, ou si on n'a pas envie d'aller se mettre dans ce buisson, une autre technique, si on a un scout avec une très bonne distance de vue et des optiques traitées, c'est de faire une petite boucle devant son spawn pour repérer les ennemis quand ils sont en train de quitter le spawn. Ça permet encore de faire pas mal de dégâts de spot. Donc là, on voit qu'il y a un petit malin dans l'équipe adverse qui a blindé le buisson. En se doutant qu'il y aurait un scout là, donc très très bien pensé de sa part. En général, les gens n'ont pas trop le réflexe de tirer dans les buissons à scout, mais là il a vraiment eu le bon réflexe. Et on voit qu'il a vraiment tiré en blind parce que le sixième sens c'était pas déclenché. Oui, alors je suppose qu'il l'a, on saura sans doute un peu plus tard. Mais oui, il s'est déclenché après. En fait, quand il s'est enfui. Ah oui, tout à fait, ouais, quand il a regagné son camp. Ouais. Bon, donc là son travail est terminé là-bas parce que tous les chars qu'il pouvait repérer et qui se déplaçaient ont dû commencer à prendre des positions de campouse. Donc maintenant il va essayer de se redéployer. Alors est-ce qu'il va aller en D5 ou est-ce qu'il va aller au niveau de l'église? Ouais, le spot en D5 est aussi très très bon. On va voir ce qu'il va faire. Alors comme ses collègues n'ont pas poussé, peut-être qu'il va se mettre en bas de la colline de façon à les spotter dans la descente et à permettre à ses collègues de faire un carton sans prendre trop de risques. Déjà une petite surprise. Alors comme d'habitude, le dilemme du scout, est-ce que je tire pas? Ouais, alors sachant qu'il y a une artie, voilà, je sais pas si, ça me semble que c'était l'artie, il a vu la cloche oui, de oui, tir. Oui, vu l'angle, c'est arrivé par en haut, tout à fait, c'est l'artie. Ouais. Une belle réactivité de sa part d'ailleurs. Le tir a vraiment arrivé très peu de temps après le spot, compte tenu du temps de focus des arties. Alors il a pas trop de chance, étant donné qu'une bonne partie de son équipe est encore en train de camper honteusement dans la base. Les rares qui se sont avancés sont pas de tier 8 ou 9 et ils se sont arrêtés en plus à l'église. Il y a un E75 qui arrive, j'espère qu'il va porter une puissance de feu bienvenue. Ah, le 1390, ça serait bien de lui mettre un petit coup là. Ouais. Ah, dommage, il s'est fait déboîter les chenilles juste avant, du coup, lui qui avait bien anticipé le mouvement, son tir s'est perdu. Ah, il prend des risques là quand même à pas bouger alors qu'il a été spot, voilà. Il est pas passé loin celui-là, à une demi-seconde près, il se le prenait, il était mort. Oui, il faut dire qu'avec son blindage inexistant, ça lui aurait été très très vite fatal en pouvoir, en plus qu'il a pas beaucoup de points de vie. Pas beaucoup de points de vie, un blindage de caisse assez inexistant, sauf peut-être à l'avant de temps en temps avec l'angle, ça permet de bouncer ou sur la tourelle. Mais globalement, pas... En papier carton, on va dire. Ouais, c'est ça, et puis surtout là, comme il était magnifiquement de flanc, il aurait pris très très cher. Mais bon. On peut voir la bonne mobilité, hein. Il s'est replié, il est revenu très vite, il perd quasiment pas de vitesse dans les virages. Vraiment sympa niveau accélération, vitesse de tournée, etc. Ouais, non, très agile.
Il est probablement plus agile que le 1390, mais par contre, il a pas l'avantage d'avoir un barillet. Ce qui fait du 1390 un excellent char pour aller ennuyer l'équipe adverse sur ses arrières. Alors là aussi, c'est pas passé loin, de nouveau il a été spoté. Ouais, bah il est pas fou, hein. Dès que le sixième sens s'enclenche, il se met en mouvement. Parce que sinon, c'est juste du suicide. Alors on avait noté qu'à la fois précédente, quand il s'était replié, il avait fait exprès de faire une espèce de boucle un peu élargie, de manière à ce que les adversaires croient qu'il était en train de se barrer et d'aller changer de position. Donc il les a feintés, il était revenu à la même position. Là, ce coup-ci, il fait la même chose, sauf qu'effectivement, il change de position. Oui, bah, de toute manière, quand on se replie après avoir été spot, c'est toujours une bonne chose de surtout pas aller en ligne droite, mais de faire des petits virages. Ah oui, C'est vraiment retourner dans le même indispensable. buisson, c'est généralement un appôt à conneries. Ah oui. C'est les obus qui arrivent très vite normalement. C'est ça. On peut être. C'est toujours le principe de. Ils reviennent toujours. C'est jamais du temps perdu de focusser le buisson où il y a eu quelqu'un. Il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Alors là, on peut voir qu'en fait il n'y avait personne sur la colline, visiblement, de l'équipe adverse. Ils sont Ouais. tous restés en base, il y en a très peu qui sont montés. Bah, le 1390 qui était monté était redescendu et s'était fait déboîter. On va voir s'il y a moyen de charogner le loup. Ou le ouais, pardon. Non, on va juste se contenter de le spotter, je pense, pour l'artiller et pour ses collègues. Ouais, Le lui est problème, c'est que su. tous ceux qui restent en base, c'est de la puissance de feu qu'ils n'ont pas en haut, quoi. Et en base, ils sont visiblement inutiles. Parce que Ben s'il y avait ouais. des ennemis spotés, on le saurait à peu près, quoi. Donc. Non, mais ils ont été très contents, ils ont fait plein de dégâts en début de partie quand il y avait le spotter, mais maintenant qu'il n'y a plus personne, ils n'ont pas compris qu'il faudrait penser à faire autre chose. Parce que là, ils sont à peu près deux fois trop, enfin, par rapport à ce qui suffit pour défendre, parce que si quelqu'un s'amuse à traverser, il va se faire massacrer. Surtout qu'en plus, ils sont de l'avance. Ils sont 7 ou 8, ils auraient déjà dû se redéployer depuis très longtemps, mais malheureusement ils sont un peu lents à C'est la ça. réception. Si la moitié de ceux qui étaient au spawn étaient montés en haut de la colline pour commencer à pousser, la partie serait déjà à moitié pliée. Joli. Il le troll, il lui met un petit tir dans les fesses et il se replie. C'est ça, et l'avantage c'est qu'au moins donc il permet à ses collègues de s'avancer sans prendre de risques. Typiquement le Jack Oui. Panther là. Ou quand même les collègues auraient un angle, le M103 en retournant sa tourelle leur montre bien l'arrière de sa tourelle. C'est ça. Donc ça permet au tir de rentrer plus facilement. Bon, donc il reste un M103 RHIT qui est mort dans un instant, je pense, avec l'IS-8. Et ensuite dans la descente, ils auront bah, un IS-8 et demi et peut-être une ou deux surprises, mais je pense pas plus normalement. Ouais. Il va peut-être même être obligé de terminer le M103 lui-même là. Parce que j'ai l'impression que ses collègues. Ouais. Ah bon, ça va, ils ont réussi. Ils ont pris le temps, mais ça y est. Faut qu'il se méfie là par contre parce qu'il est pas du tout à couvert du buisson, il est dans le buisson et pas derrière. Ah. On dirait que le dernier qui avait tenté de monter c'est en train de se replier. Ah, mal anticipé. Ah, elle a tiré trop court. Ouais. Ouais. Le canon vise bien, mais la distance est quand même vraiment extrême, donc c'était trop court. Ah, le E75, là où il se trouve, il est pas super utile. Il aurait dû monter aussi sur la colline et pas trop rester là-bas. Parce que maintenant, même si spot il y a, notamment sur l'IS-8, il aura pas d'angle. Donc, il Ouais. sera un peu inutile. Non, c'est vrai. Bon, encore lui au moins, il a au moins fait 100 mètres pour quitter le spawn, quoi, contrairement à tous ceux qui sont restés. Il a au moins fait cet effort. Ouais, la seule utilité qu'il peut éventuellement avoir, c'est de spotter si des mecs tentent de passer par le marécage, mais c'est généralement très rare et ceux qui le font, généralement, l'espérance de vie n'est plus limitée. Oui, clairement. Autant sur les bâtières ça peut passer, autant avec la discrétion qu'ont les chars des tiers 8 et 9, ça c'est même pas la peine d'y penser. Bon, le problème, c'est avec la forêt, il risque de tomber une année avec l'IS-8. Et la confrontation normalement ne lui sera pas vraiment favorable. Non. Est-ce qu'il a Alors. été spoté? Oui, Oui. il va falloir qu'il se barre très très vite. Ouais. Voilà, ouais. Ouais. Il a pris le petit coup de canon. Il viserait un peu plus à gauche, il le verrait. Non, mais les replays, ça déconne, l'affichage des silhouettes. D'accord. Souvent on a l'impression qu'il voit pas la silhouette, mais en fait si, c'est bon. Bon, il a un IS qui arrive derrière lui pour le soutenir. Le E75 qui s'est décidé à traverser. Ça devrait le faire niveau puissance de feu. Ouais, bah l'équipe adverse est aussi mal déployée que la leur. Du coup, il y a vraiment que l'IS-8 qui défend de la forêt. Il se dévoue pour son équipe, quoi, mais bon. Ah, il y a un respot, pas bon. Je sais pas comment ils ont perdu leur artillerie d'ailleurs en face. Elle a dû se faire spotter ou elle a dû se faire contre-artiller. Ah, j'ai pas du tout suivi, ouais. Peut-être dans l'engagement initial, peut-être.
il a perdu son soutien. Heureusement, le Ouf. 75 arrive Ouais. enfin à l'avoir. Par contre, il a été respot par l'IS-8, donc faut qu'il reste dans les creux, faut pas qu'il s'arrête de bouger. Un petit tour et puis s'en vont. Au bout de 10 secondes, il peut reprendre sa route normale. C'est ça. Donc l'artie était là, donc visiblement elle est pas morte dans l'engagement initial, je sais pas comment elle s'est fait avoir. Contre-batterie à mon avis, oh quoique, je sais pas. Non mais on a dû la louper en fait, elle a dû mourir à peu près pendant le combat contre l'IS-8. Vu comme elle Ah est non, elle était déjà tournée. morte depuis très très longtemps, hein. Elle Ouais? était déjà décédée. Oui, elle était déjà décédée depuis longtemps. D'accord, bon, je sais pas du tout comment elle s'est fait avoir. Donc l'équipe adverse est en train de pousser. Je suis pas sûr que ça leur soit très. Judicieux, non, clairement Ouais. pas. Bon après niveau force, niveau puissance, c'est les deux IS-8 je crois qui sont en train de pousser, donc contre un IS-8 et un Ferdinand ça peut le faire. Sauf qu'il y a l'artillerie qui va soutenir ses coéquipiers. Il y a un Et ISU. ça laisse surtout la base complètement plus défendue. C'est ça, et puis il y a un ISU qui va se prendre des tirs dans le flanc en l'occurrence. Enfin, le moteur. Il va pouvoir lui en mettre un hein, gentiment. Ouais, il a pas dû être spot. Bien de flanc. Ouais, non, c'est pas terrible ça comme angle. Voilà, faut viser le bas de caisse, nickel. Il a visé un peu le haut de la caisse, mais l'obus est parti vers le bas, donc il a eu de la chance sur ce coup-là. Ouais. Parce que ça servait à rien de viser le flanc, vu l'angle, ça aurait été un ricochet automatique. C'était pas la bonne chose à faire. Oui, ou une non-pénétration avec l'augmentation artificielle du blindage. C'est ça. Ah, c'est intéressant, alors son équipe est en train de se faire défoncer de l'autre côté. Là, il va être bien en belle position pour leur mettre des petites pralinettes dans les fesses. Ouais, la question c'est où est le VK? Ah oui, c'est une bonne remarque. Ouais, le VK qui avait été spoté à droite. Oh, il doit être peut-être en K3 ou un truc de ce genre. Ou alors il a essayé de traverser par le marais, mais je pense que le Jack Panther l'aurait vu. Peut-être qu'il a suivi les deux IS, je sais pas. Ah, Ouf. pas passé loin d'être loupé. Falloir qu'il se dépêche parce qu'après il aura plus le spot du fait de ses collègues qui sont en base. Ah, Dommage. dommage, je sais pas où il est passé. Donc il reste le tigre et quand même le Jack Panther qui est en haut de la colline. Ouais. Bon, ils sont pas fous les deux, ils sont mis à couvert. Ah, ou pas, c'est juste. Ouais. Ah bien, un IS-8 en moins. Et on voit vraiment pas où est passé le VK, parce qu'en plus il était actif il y a pas longtemps. Ouais, je sais pas. Ben, je crois qu'il n'y a pas, il a pas vraiment beaucoup bougé hein, depuis le début de la partie. Donc, je te dis, je le sens bien, soit en H1 ou en K3. Inutile, dans tous les cas. Parce que là, il est ni en train de défendre son drapeau, ni en train de soutenir l'assaut. Il sert à rien. Ouais. Ouais, pardon, Bizarre. Russier Charonnier Ah inquiet. bah Oh il est. bah! Oh non! Oh putain. Totalement inutile. Ouais. Et attends, s'il a réussi à faire 12 dégâts, il doit être en plus aux munitions explosives. Donc deux fois plus useless. Ouais. Ouais, ça sent le gros skill. Attends, je vais voir le prochain tir qu'il mettra. Ah, il a réussi à le track, c'est tout. Ah, c'était peut-être l'IS-8 aussi qui tirait du bout de map. Ah, possible, ouais. Bon, en tout cas l'IS-8, histoire ancienne, finie. Ouais, bah du coup, le. Belle opération pour le Jagd quand même, qui avec son petit tier 7, ça s'est quand même fait 2 IS-8. Plus je sais pas quoi d'autre. Non, c'est tout. Ouais, le VK se dit, tiens, je le défoncerai bien avant de mourir, mais je ne pense pas qu'il y arrivera. Surtout qu'il est bloqué maintenant, donc il va se prendre un tir. Et un tir normalement de l'E75, qui fait du 490 en moyenne. Il continue de tirer à l'explosif. Ouais. Ah, là sous Ça fait ta plus de munition. dégâts sur la fiche du canon, et ça fait plus de dégâts, voyons, c'est normal, tout le monde le sait. Ouais. Oh, c'est un Il check. va le finir. Nickel. Joli, ben il a fait une très très grande partie de la game lui tout seul, hein, clairement. Une partie à 2929 points d'XP en premium, 100 x 2, 3000 points de dégâts, 10 700 points de spot, donc je pense notamment beaucoup au début de la partie Ouais. quand il a éclairé la moitié de l'équipe adverse. Et il réussit à faire 83-4 BNF à la fin de la partie, donc c'est vraiment très sympa. Ouais. Non mais on voit exactement ce qu'un scout est censé faire, surtout sur cette map qui est vraiment une map où les scouts peuvent totalement s'exprimer et puis montrer leur utilité à l'équipe, donc en éclairant toute l'équipe adverse et puis tout au cours de la partie, en repérant des ennemis isolés, en permettant à ses collègues de les déboîter et puis en plaçant quand même quelques tirs vraiment utiles pour l'équipe. Donc vraiment une très très belle démonstration de ce qu'un scout doit faire en partie.
Ouais, mais il y en a plein qui doivent en prendre de la graine, ça nous changera des scouts de suicide de début de partie. Voilà, on le rappelle, ça ne sert absolument à rien de foncer sur l'équipe adverse et de mourir en 30 secondes. Il y a vraiment des moyens de se rendre 100 fois plus utile pour l'équipe. Ah oui, quand vous faites un scout de suicide, si vos coéquipiers avaient les moyens de vous ramener à la vie, vous ramènerez à la vie juste pour vous tuer, hein, je vous le dis tout de suite. Clairement. Eh bien, merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau replay commenté.